Si, il me le répète. Hein? Après, elle a la tête, moi, il m'en fait. Alors bonsoir à tous, bienvenue à la pêche communale de Bernard Godreau. Alors, bonsoir à vous tous. Je me présente Bernard Godreau, préfet de la MRC de Portneuf, président de la commission d'aménagement et du territoire de la MRC. Mes collègues, notamment M. Guy Denis, maire de la ville de Saint-Marc-de-Carrière, M. Mario Palin, maire de la ville de Portneuf, M. Raymond Franqueur, maire de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne, M. Justin Langlais, maire de la ville de Pont-Rouge, et M. Dominique Tessy, maire de la ville de Saint-Casimir. Alors, en fait, comme vous le savez probablement, ce soir, il s'agit de la santé publique qui porte sur un projet d'élevage porcin de l'entreprise Port-Éden, situé sur le territoire de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne. Notre confrère, M. Franqueur, du physique et conformément aux règles de pratique en vigueur ici à la municipalité, l'ensemble des délibérés, des pourparlers sont captés par une caméra. Donc, évidemment, sachez-le. Le projet, évidemment, essentiellement, est localisé à l'endroit d'une propriété située au 310 rang Saint-Jacques, à l'endroit de l'ancienne ferme Marly. Le promoteur, maintenant, aura la chance de vous présenter son projet dans quelques minutes. Et il s'agit essentiellement d'une bouponnière quarantaine qui comportera un maximum de 199 porcelets. Alors, préalablement à la présentation qui sera effectuée par le promoteur, évidemment, comme le permet la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne a décidé de confier à la MRC de Portneuf le mandat de tenir la présente assemblée publique. Donc, notre rôle ce soir, à titre de commission d'aménagement, évidemment, c'est de tenir la dite consultation et de permettre, évidemment, au promoteur de présenter son projet et de répondre aux questions qui lui seront adressées. Alors, le mandat de la MRC concerne, comme je vous mentionnais, essentiellement la tenue de la présente assemblée et sera suivi de la production d'un rapport qui sera destiné, évidemment, et adopté par le conseil de la MRC de Portneuf et transmis à la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne. Alors, la MRC, vous devez savoir, n'a aucun rôle décisionnel dans le projet qui vous aura été présenté ce soir. L'analyse du projet de conformité et des documents d'appui ne relève pas non plus de la MRC, mais bien évidemment de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne et des autres partenaires. Alors, comme le prévoit la loi, comme je mentionnais, évidemment, nous tenons ce soir la présente consultation publique et nous sommes également accompagnés, évidemment, de M. Jean Lessard, directeur du service de l'aménagement et de l'urbanisme à la MRC de Portneuf. Son confrère et collègue, M. Patrice Gagnon, aménagiste au service de l'aménagement. Madame Marie-Lyne Gingras, inspectrice en bâtiment à la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne. Et s'ajoute à ces personnes de la MRC de la municipalité, Madame Lucie Gosselin, du service de l'analyse de l'expertise de la capitale nationale travaillant au sein du ministère de l'Environnement. Bienvenue, Madame Gosselin. Au niveau du MAPAC, nous avons M. Jean-François Duquette, agronome à la direction régionale de Chaudière-Appalaches, et de la direction de santé publique, M. Jean-François Duchesne, conseiller en santé environnementale auprès du CIUS de la capitale nationale, qui pourront répondre à vos questions collégiales si celles-ci leur sont destinées. Donc, Jean, peut-être au niveau des aspects plus techniques, avant d'aborder la présentation comme telle. Oui, d'accord. Donc, avant de commencer la présentation du projet, il y a une petite mise en contexte qui va vous être faite concernant notamment le déroulement de l'Assemblée de ce soir et certaines informations générales qui vont vous être véhiculées pour bien camper à la fois le rôle de la Commission et de l'Assemblée de ce soir. Donc, l'Assemblée est divisée en trois parties. Donc, l'information générale d'abord, ensuite la présentation du projet qui est déposé par l'entreprise, et troisièmement, il y aura une période de questions et significations et préoccupations. Donc, on vous demanderait, s'il vous plaît, de bien vouloir réserver vos questions et commentaires pour cette période-là. Donc, il y a une période là, qui va vous être entièrement consacrée ce soir.
au niveau du déroulement de l'Assemblée et information générale, en fait, il y a cinq points qui vont être abordés ici. D'abord, on va essayer de bien camper l'objet, les objets de cette Assemblée et pourquoi on tient une telle Assemblée publique et ce que ça vise exactement. Dans un deuxième temps, on va faire un bref survol du contexte législatif et réglementaire lié à ce genre de projet-là. Troisièmement, on va définir le rôle de chaque intervenant, soit au niveau gouvernemental, municipal ou de l'AMRC. Ensuite de ça, on va décrire le cheminement du dossier et les différentes étapes à venir. Et cinquièmement, on va énumérer les différentes mesures d'atténuation qui est possible et que la loi prévoit pour ce genre de projet. Au niveau des différents objets d'Assemblée, en fait, la raison d'être de l'Assemblée vise trois choses. D'abord, c'est de vous informer du projet et de répondre aux questions. D'ailleurs, on est assisté de différentes personnes, ressources, vous avez compris, du ministère de l'Environnement, du MAPAC et de la Direction de la Santé publique, pour nous assister et pouvoir répondre au maximum de questions possibles. On espère pouvoir répondre à toutes les questions. Si jamais il y a des questions qui sont restées sans réponse, ben, on va les noter et on va aller chercher l'information. Et l'information pourra être délivrée dans le rapport qui va être produit par la Commission. Deuxièmement, l'objet, c'est de préciser les mesures d'atténuation possibles que permet d'imposer la loi. Donc, il y a cinq mesures prévues dans la loi. Donc, on va voir ce soir si ces mesures-là peuvent s'appliquer ou non au projet qui est déroulé. Et troisièmement, on va recueillir vos préoccupations et commentaires sur le projet, donc à la période de questions qui vous est réservée. Il est important de noter que l'Assemblée de ce soir ne vise aucunement à remettre en question le projet. Le projet a déjà été jugé conforme aux différentes normes applicables. Donc, c'est vraiment de présenter le projet et recueillir vos préoccupations, mais légalement, le projet peut techniquement se réaliser. C'est important de bien comprendre ça. Au niveau du contexte législatif et réglementaire, bien, ce qui est important de noter, c'est que cette Assemblée-là s'inscrit dans le cadre des exigences qui sont prévues dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. En fait, la loi oblige la tenue de telles assemblées de consultation sur des projets d'élevage porcin depuis, je vous dirais, le milieu des années 2000. Jusqu'à maintenant, dans Portneuf, il y a eu 4 assemblées au total depuis le milieu des années 2000. Donc, on parle d'à peu près de 2005 jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu 4 assemblées de ce genre-là au total. Il y a 3 assemblées où la consultation a été tenue par la NRC et il y a eu une assemblée qui a été tenue par la municipalité. La dernière assemblée qui a été tenue, c'est à l'automne dernier, sur un projet de Port-Réalme également. Donc, j'imagine qu'il y a plusieurs d'entre vous qui avaient participé à cette assemblée-là. La loi requiert un processus de consultation publique à l'égard des projets d'élevage porcin pour deux types de projets. Donc, l'ajout de tout nouveau projet d'élevage porcin, peu importe la taille, donc un nouveau projet d'élevage porcin est assujetti à une assemblée publique de consultation. C'est le cas ce soir, donc c'est considéré comme un nouveau projet d'élevage porcin. La loi prévoit également que l'agrandissement d'un élevage porcin existant, qui implique une augmentation de production annuelle de phosphore de plus de 3200 kg, est assujetti aussi à une séance de consultation publique. La loi prévoit que l'Assemblée publique doit se tenir après l'émission d'un certificat d'autorisation par le ministère de l'Environnement ou encore d'un écrit du ministère de l'Environnement à l'effet que le projet qui est soumis ne requiert pas de certificat d'autorisation. C'est le cas ce soir. Donc, le projet qui est présenté par l'entreprise, c'est un petit projet qui ne nécessite pas de certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Toutefois, le ministère de l'Environnement a émis un avis en date du 9 mai 2019 à l'effet que le projet qui était déposé
utilisé ne requiert pas de certificat de publication. L'Assemblée publique doit également se tenir avant la délivrance du permis de construction par la municipalité. Évidemment, toute l'analyse, les vérifications et les analyses sont faites et le projet a été jugé recevable en fonction de la réglementation d'urbanisme applicable et le permis de construction qui est requis doit être délivré uniquement à la toute fin du processus. Soit dit en passant, même s'il n'y a pas de certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement qui est requis pour le projet qui est déposé, le projet doit quand même respecter toutes les exigences des différentes lois et règlements ou directives qui s'appliquent pour ce genre de projet-là. Et on fait référence ici principalement au règlement sur les exploitations agricoles qui vient gérer, vient encadrer toutes les normes environnementales qui s'appliquent là, par rapport à ce genre de projet-là. Au niveau du rôle de chaque intervenant, donc c'est important de bien camper le rôle de chacun au niveau de l'Assemblée qui se tient ce soir. D'abord, au niveau du gouvernement, le rôle gouvernemental dans ce genre de dossier-là, le ministère de l'Environnement est l'autorité responsable du respect des normes environnementales applicables et de la vérification de la nécessité d'obtenir un certificat d'autorisation ou non. Donc ça, c'est le rôle du ministère de l'Environnement. Évidemment, les représentants du gouvernement, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture et la Direction de la Santé publique doivent participer, en vertu de la loi, à l'Assemblée de ce soir pour pouvoir répondre aux différentes questions susceptibles de se poser. Au niveau du rôle de l'INRC, l'INRC tient la présente Assemblée publique en fonction de la demande qui a été faite par la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne. Donc, la loi prévoit qu'une telle assemblée doit se tenir par la municipalité et que la municipalité peut déléguer cette consultation-là à l'INRC. Et c'est ce qui a été fait là, dans le cadre du présent dossier. Autre rôle, c'est de recevoir vos commentaires et préoccupations comme tel. Et l'INRC va également produire un rapport de consultation qui sera adopté par le conseil de l'INRC et transmis par la suite à la municipalité. Au niveau de la municipalité, le rôle de la municipalité, c'est de voir à l'application de sa réglementation d'urbanisme et d'émettre un permis de construction. Si le projet respecte toutes les normes applicables en vertu de la réglementation d'urbanisme. La municipalité pourra également imposer, s'il y a lieu et si le contexte s'y prête, à des mesures d'atténuation supplémentaires au projet parmi celles qui sont prévues par la loi. On va aller les voir tout à l'heure. Il y a cinq mesures d'atténuation possibles. On va voir si ça peut s'appliquer ou non au projet qui est déposé ce soir. Le rôle du demandeur, c'est de présenter le projet d'implantation des vaches porcins à l'Assemblée publique et de répondre aux différentes questions en lien avec le projet qui est déposé. Au niveau du cheminement du dossier, ce qu'il faut retenir, c'est que le dossier chemine déjà depuis le milieu du mois de mars, donc en date du 13 mars. Le promoteur a déposé son projet à la municipalité et par la suite, il y a eu vérification et analyse de la demande par la municipalité, donc l'inspectrice de la municipalité qui a vérifié la conformité du projet, donc les renseignements qui ont été requis de l'entreprise pour s'assurer du respect des normes en lien avec ce que prévoit la réglementation de l'urbanisme. Par la suite, en date du 9 mai, il y a eu un avis du ministère de l'Environnement à l'effet que le projet ne requiert pas de certificat d'autorisation. En date du 13 juin, il y a eu un avis de la municipalité indiquant que le projet était recevable en fonction de la réglementation d'urbanisme. Donc, tous les documents ont été déposés à la municipalité pour pouvoir juger de la conformité du projet. En date du 17 juin, il y a eu une résolution de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne visant à confier le mandat de la consultation publique, comme le permet la loi, à la NRC.
le 20 juin, donc la MRC de Pont-Neuf a reçu officiellement la demande qui lui a été formulée par, par la municipalité de Saint-Christine-d'Auvergne. Et à partir de cette date-là, du 20 juin, donc la MRC avait un délai de 30 jours pour tenir l'Assemblée publique. Donc, le 16 juillet, donc les délais sont respectés. Le 26 juin dernier, ben, il y a eu un avis public qui a été publié dans le courrier de Pont-Neuf, conformément à la loi, et qui annonçait la présente Assemblée publique de ce soir. 16 juillet, donc, c'est la tenue de l'Assemblée publique. Donc, ça, c'est les étapes qui ont été suivies jusqu'à maintenant dans le dossier. Au niveau des étapes qui restent à venir, donc, suite à l'Assemblée publique de ce soir, ben, le public a un délai de 15 jours à la suite de la présente assemblée pour transmettre des commentaires, des avis vérifiés directement à la MRC, comme c'est la MRC qui tient l'assemblée publique. Donc, si vous avez des commentaires ou des avis à soumettre, il s'agit de les soumettre à la MRC. Vous pouvez nous transmettre ça par courriel. Et vous avez un délai de 15 jours pour émettre. Vous pouvez mettre vos avis, vos préoccupations dès l'Assemblée de ce soir, mais vous avez un délai de 15 jours additionnel là, qui vous est alloué pour transmettre les différentes préoccupations et les commentaires, donc, ce qui mène jusqu'au 31 juillet prochain. À la suite de cette période-là, donc, il y a un délai de 30 jours pour produire un rapport de consultation et adopter le Conseil d'administration. Un délai de 30 jours pour adopter le rapport de consultation. Donc, ce qui est, en fait, l'adoption du rapport de consultation est prévue à l'Assemblée régulière du mois de août, qui va se tenir le 21 août prochain. Par la suite, suite à l'adoption du rapport de consultation, la MRC a un délai de 10 jours pour le transmettre à la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne. Une fois que la municipalité de Saint-Christine-d'Auvergne a reçu le rapport de consultation, ben, la municipalité, le conseil municipal, doit l'adopter à sa première séance ordinaire qui suit la réception du rapport. Donc, ça devrait mener au début du mois de septembre, la première assemblée régulière. Et la municipalité, le conseil municipal déterminera s'il est opportun ou non d'imposer certaines conditions additionnelles parmi celles qui apparaissent dans le loi. Par la suite, il y a une période de conciliation qui est prévue par la loi. Donc, si le promoteur n'accepte pas certaines conditions imposées par le conseil municipal, toujours parmi celles qui figurent dans la loi, ben, le promoteur peut faire appel à un conciliateur s'il juge que certaines conditions apparaissent abusives dans les circonstances. Et au bout de tout le processus, bien, le permis de construction est délivré par la municipalité. Au niveau maintenant des 5 mesures d'atténuation possibles et qui sont prévues par la loi. Donc, là, il faut voir si ça peut être applicable au projet comme tel. Donc, les 5 mesures prévues par la loi se décrivent comme suit. Premièrement, donc, la loi prévoit qu'il est possible d'imposer comme mesure d'atténuation le recouvrement de la structure d'entreposage ici. Ça, c'est une condition qui peut s'appliquer vraiment si c'est un projet sur fumier liquide. Le projet, on va laisser le commentaire présenter le projet, mais c'est un projet sur fumier solide, donc techniquement, cette condition-là ne peut pas s'appliquer directement au projet. Deuxième mesure d'atténuation prévue par la loi, c'est l'incorporation du lisier au sol. On parle toujours ici de lisier, donc quand c'est un projet sur fumier liquide, il est possible, la municipalité peut imposer l'incorporation simultanée au sol dans un délai de 24 heures lorsqu'il est possible de le faire sans nuire aux cultures. C'est ce que prévoit la loi. Troisième mesure d'atténuation possible, c'est des distances séparatrices différentes pour, disons, optimiser l'emplacement du projet sur la propriété dans une optique de cohabitation des usages. Quatrième mesure prévue par la loi, c'est l'installation d'un écran de réseau d'art.
Ça, c'est une condition qui est déjà obligatoire en vertu des règles exigées par le schéma d'aménagement de l'NRC et des normes de la réglementation municipale. Et le projet est déjà accompagné d'un écran réseaudeur. Et dernière mesure qui a été prévue par la loi, c'est des équipements destinés à économiser l'eau dans une optique d'économie de l'eau potable. En fait, ce sont les cinq mesures là, qui sont prévues par la loi et qui est possible pour certains projets d'élevage porcin, donc dès qu'aucune municipalité peut imposer. Donc, ça fait le tour de la présentation du contexte. Ça a un petit peu la table pour la présentation du projet par le Merci, M. Messard. Alors, Mme Malouin, je vous cède la parole pour présenter votre projet. Tout d'abord, je voudrais dénoncer les appels de harcèlement que j'ai reçus chez nous. Donc, on m'a demandé de déplacer mon projet. Quand bien même cette personne-là s'appelle Charles Dessart, je vais devoir maintenant le délivrer. Donc, dans un premier temps, ce que je dis, c'est que je veux dénoncer les appels de harcèlement que j'ai reçus chez nous pour essayer de changer mon projet de place. Donc, ce que je dis quand même, cette personne-là s'appelle Charles Dessart, je n'ai pas à subir ce genre de harcèlement. Mensonge. Tu m'aurais craché au nom. Donc, M. Lessard, Jean, déterminé le cadre juridique, le cadre légal. Voilà. J'aimerais un petit peu placer un peu plus précisément le cadre juridique. Et je veux me servir aussi du PDZA pour encore plus encadrer et d'avoir son effet dans le projet. Tout d'abord, je vais vous lire les passages d'un jugement qui a été fait avant tout dans la municipalité de Saint-Cyprien de Napierville. Donc, c'est justement une municipalité qui avait exigé des conditions déraisonnables à une entreprise porcine. Donc, il y a un jugement qui date de 2009. Donc, de l'honorable Jean-Jules Chabot, juge de la Cour supérieure, une décision qui a été confirmée en Cour d'appel du Québec. Donc ici, ce qu'on dit, c'est qu'il s'agit d'une requête amendée en nullité d'une partie d'une résolution de la municipalité de Vendresse et en mandamus pour forcer le directeur des permis de construction de la ville d'émettre un permis de construction pour un projet d'élevage porcin. Ce qui dit, avant d'entrer dans le vif du sujet, il me paraît nécessaire de cerner d'abord le cadre législatif dans lequel la résolution attaquée a été adoptée. Jusqu'à récemment, on retrouvait le long des autoroutes des panneaux réclames de l'Union des producteurs agricoles affichant le slogan pas de nourriture sans agriculture. Pourquoi devoir proclamer une telle évidence si ce n'est que la pratique de l'agriculture, si nécessaire soit-elle, entre parfois en conflit avec le confort d'autrui? Le Petit Larousse illustré de 2009 définit le terme agriculture de la manière suivante. Activité économique ayant pour objet la transformation et la mise en valeur du milieu naturel afin d'obtenir les produits végétaux et animaux utiles à l'homme, en partie. Ceux qui sont destinés à son alimentation. L'agriculture est donc une activité économique nécessaire à la survie des populations. C'est une lapalissade que de dire qu'habituellement, elle se pratique à la campagne. Toutefois, de plus en plus, les villes se rapprochent des campagnes et aussi plusieurs citadins viennent s'installer dans des lieux essentiellement agricoles. S'ils en apprécient le caractère bucolique, les conséquences de l'exploitation agricole de ces lieux les enchantent moins. Leurs préoccupations de citadins ne sont pas celles des producteurs agricoles, forcément. À titre d'exemple, en l'espèce, plus que je vous lis, c'est textuellement dans le document. À titre d'exemple, en l'espèce, alors que le territoire de la municipalité de Saint-Cyprien-Napierville est très majoritairement à vocation agricole, aucun des sept membres du conseil municipal de la Défendresse ne pratique un métier ou une profession en rapport avec l'agriculture. Le maire est directeur d'un club de golf, les conseillers sont soit responsables en service de garde, propriétaire d'un chantier naval, institutrice, technicien en sécurité, notaire ou directeur général en informatique. Bien que cela ne signifie pas nécessairement un préjugé à l'égard de l'agriculture, cela illustre néanmoins que leurs préoccupations de citadins ne sont pas nécessairement les préoccupations des producteurs agricoles. Cela étant dit,
Le législateur québécois considère l'agriculture comme une activité non seulement nécessaire, mais souhaitée pour le bien général de la province. C'est la raison pour laquelle il a mis en place une législation complexe, non seulement sur la protection du territoire et des activités agricoles, mais également sur les productions agricoles elles-mêmes, leur mise en marché, ainsi que la protection de l'environnement. Ce faisant, il a dû également tenir compte de l'interaction entre ses activités agricoles et le monde municipal. À cet égard, il n'est pas inutile de rappeler certains extraits de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Le régime de protection du territoire agricole institué par le présent choix a pour objet d'assurer la pérennité d'une base territoriale pour la pratique de l'agriculture et de favoriser, dans une perspective de développement durable, la protection et le développement des activités et des entreprises agricoles dans les zones agricoles dont il prévoit l'établissement. Préséance de la présente loi. La présente loi prévaut sur toute disposition inconciliable d'une loi générale ou spéciale applicable à une communauté ou à une municipalité. Elle prévaut également sur toute disposition incompatible d'un schéma d'aménagement et de développement, d'un plan directeur ou d'un règlement de zonage, de lotissement ou de construction. Une personne qui obtient une autorisation ou un permis conformément à la présente loi ou qui exerce un droit que celle-ci lui confère ou lui reconnaît n'est pas dispensé de demander un permis, par ailleurs exigé en vertu d'une loi, d'un règlement du gouvernement ou d'un règlement municipal. On constate donc l'importance accordée par le législateur à la pratique des activités agricoles, mais aussi que la pratique de ces activités ne dispense pas d'obtempérer aux exigences qui vont être fixées par une autre loi, un autre règlement du gouvernement ou un règlement municipal. En résumé, le législateur, s'il reconnaît que le développement des élevages porcins contribue au développement durable de l'agriculture au Québec, il reconnaît aussi que l'implantation des élevages doit se faire, dans la mesure du possible, en harmonie avec les utilisations non agricoles dans un contexte où toute l'information nécessaire est rendue disponible aux élus et aux citoyens des municipalités concernées pour ces implantations. Que je pense qu'on passe à la bonne adresse, mais c'est pas assez spécifiquement à la police. En fait, M. Langevoix, comme vous venez de mentionner dans le dernier extrait, le juge fait référence à une présentation complète de l'ensemble de l'information. Je vous inviterai à présenter votre projet. Donc, les coûts reliés aux conditions. Comme l'une des préoccupations indiquées par le législateur à l'article 165.4.13 est de favoriser le développement des élevages porcins, la question de l'effet des conditions imposées en vertu de cet article sur la rentabilité ou la viabilité économique du projet d'élevage est pertinente, d'autant plus que le conciliateur doit en tenir compte dans ses recommandations. Si le gîte, en d'autres termes, le Conseil ne peut pas retenir que son droit d'imposer les conditions. Cet exercice discrétionnaire doit se faire dans un cadre particulier. Par ailleurs, comme il a été mentionné précédemment, le Conseil ne peut pas répéter la loi pour justifier sa décision. Si le législateur avait voulu imposer automatiquement un dôme sur les ouvrages de secteur utilisé ou l'implantation de haies brise-odeurs, il les aurait rendus obligatoires en vertu de la loi. Ce que le législateur a retenu plutôt, c'est un exercice de bonne foi et de respect mutuel des intérêts en présence. Ce que le législateur a retenu, c'est que le conseil municipal visé par une demande détermine lui-même s'il est approprié, dans le cas particulier qui lui est présenté, d'imposer des conditions. Ces conditions doivent donc être justifiées par rapport à la situation particulière de la municipalité, la vocation agricole de celle-ci, la nature du projet présenté en tenant compte de la réalité particulière du projet quant aux odeurs, quant aux méthodes d'épandage retenues et quant au coût envisagé des mesures proposées. Les défendeurs ont plaidé abondamment la grande réserve et la grande déférence que le tribunal doit accorder à l'exercice d'une décision discrétionnaire. En l'espèce, ce que le tribunal a pu constater, c'est que le conseil municipal n'a tout simplement pas exercé sa discrétion ni fait l'analyse et la pondération que lui imposait la loi. Il s'est contenté de répéter dans sa résolution les pouvoirs que lui accorde l'article. Même si le bulletin mini-express numéro 8 du 12 novembre 2004 réalisé par le service de l'information et d'édition de la direction des communications du ministère des Affaires municipales, s'adressant aux élus municipaux, n'a aucune valeur légale, il a du moins une valeur informative qui aurait pu guider le conseil dans l'exercice des devoirs prévus à la loi, s'il avait voulu les exécuter conformément à la loi. À l'exception des équipements destinés à favoriser l'économie d'eau,
les conditions vont être attachées au permis pour la réalisation d'un projet phase 5 visent à atténuer les odeurs qui émaneront d'un tel projet. Par conséquent, le fait d'exiger de telles conditions devrait être déterminé par l'existence d'un enjeu en matière de cohabitation harmonieuse découlant de l'insertion de ce projet en un lieu donné. À moins d'une situation particulière, l'implantation d'un projet phase 5 dans une partie du territoire municipal à vocation strictement agricole ne devrait pas présenter d'enjeux particuliers en matière de cohabitation harmonieuse, si bien que le jeu de conditions au permis pourrait ne pas s'avérer pertinent. À l'opposé, si le projet est prévu dans un secteur où cohabitent plusieurs autres usages dont certains présentent une sensibilité particulière aux odeurs, le choix d'une ou de plusieurs mesures pourrait s'avérer justifié. En résumé, le choix des conditions devra donc être judicieux et justifié par les particularités de l'environnement dans lequel le projet va s'insérer. Le fait d'agir autrement à l'endroit d'un usage permis dans la zone où est prévue la réalisation du projet pourrait s'avérer contraire à l'objectif qui doit guider le choix des mesures de mitigation. Cet objectif consiste à assurer la coexistence harmonieuse des élevages porcins et des utilisations non agricoles tout en favorisant le développement de ces élevages. L'installation d'un écran de réseau d'heure, un tel écran doit diminuer substantiellement la dispersion des odeurs. Donc, moi, je vous indique tout de suite que suite à ce jugement-là, moi, je vois que tu as dans le PDDA, il y a des activités de prévues. Je vous invite fortement à revoir la réglementation sur les RDT. Tantôt, le juge le dit, si le législateur avait voulu en imposer partout, il aurait donc, je vous invite à réfléchir à cette situation-là. Moi, je suis persuadé que ce jugement-là, le règlement est pas dans tout le système pour neuf et idéal. Moi, je vous invite fortement à présenter votre projet, M. Lambeau. On est ici pour ça ce soir. Le cours de droit que vous nous donnez, évidemment, c'est un jugement donc, qui est public. Alors, sachez que nos contentieux respectifs, évidemment, les analyses, les consultes, et puis c'est parfait, c'est des jurisprudentiels. Alors, mais ce soir, l'objectif de l'Assemblée qui est réitéré, c'est de vous permettre de présenter votre projet à la population. Alors, le rôle, c'est... Mais c'est parce que, on vous écoute. Pour parler de c'est la deuxième consultation publique. J'en ai subi une, le terme n'est pas trop fort, subi une à l'automne. Et là, ce qui est des conditions qui sont sorties de là, vous savez que ça a été en cours supérieur. Donc, moi, je veux placer le contexte juridique pour éviter qu'on se retrouve dans une situation spéciale. Monsieur, c'est deux commissions, en fait, oui. Deux projets différents dans deux municipalités. C'est les mêmes. Je vous réitère mon invitation la plus candide possible de présenter votre projet. Non, monsieur Langlois, moi j'aimerais ça présenter votre projet. Je suis pas mal à la parole, mais là, regarde. Moi, je suis un cours de loi ici, moi, là. Je viens ici pour vous présenter votre projet. C'est ce que je m'attends que vous fassiez, tout simplement. Le reste, là, vous ne viendrez pas me dire, il s'est posé ça à tel endroit, vous allez faire pareil. Chaque contexte est différent. Vous invitez, moi, comme monsieur Gaudreau, vous invite à présenter votre projet, s'il vous plaît. Parce que là, ça fait un peu que vous changez la tête. J'ai aucun intérêt là-dedans. C'est qui va être plus bon? Correct. La commission, vous devriez être à l'écoute. Si j'ai une charité. Donc, le paragraphe 118, même si la préoccupation des élus municipaux par rapport à l'effet des élevages porcins sur l'environnement peut être compréhensible et même justifiable, ce n'est pas dans le cadre d'une demande en vertu de l'article 165.4 qu'ils doivent la faire valoir. Cette question, en vertu de ces articles, a déjà été décidée par le législateur québécois à la suite de la levée du moratoire. Cette question fait l'objet par ailleurs d'une ample réglementation à plusieurs niveaux et le législateur québécois a décidé de permettre l'établissement d'élevage porcins, sachant les conséquences pouvant résulter de cet élevage et évidemment connaissant sa propre réglementation. Donc, l'an dernier, les élus municipaux ne peuvent pas s'arroger les pouvoirs du législateur québécois parce qu'ils sont insatisfaits de cette décision pour imposer des conditions que leur loi attributive de compétence ne leur accorde pas. Ça fait le tour, c'est juste pour les cochons. Tout le monde, dans le projet. Donc, ça fait le tour du cadre juridique. Maintenant, le cadre au niveau de la MRC, PDZ. Donc, j'ai regardé les enjeux qui étaient pertinents à la présentation ce soir. Donc, je n'ai pas encore là, c'est un document volumineux, j'en ai sorti des extraits. Donc, les enjeux, ça représente les préoccupations majeures de la MRC en termes de développement et de l'agriculture. Un enjeu, c'est défini comme étant ce qui est à perdre ou à gagner, ce qui est en jeu. Il
peut s'agir, par exemple, d'un atout menacé à conserver. Je vais approcher le micro un petit peu plus pour... D'un potentiel peu exploité à mettre en valeur ou d'une faiblesse améliorée. La détermination des enjeux est une étape importante dans la démarche d'élaboration du PDC. On n'entend pas. On n'entend pas. Donc, comme un enjeu, le maintien et le développement des entreprises existantes. Je dirais que le fait que la zone agricole offre un potentiel de développement intéressant et que de nouveaux modèles de production sont en émergence, il demeure que l'importance économique des agricultures pour ne voir se repose avant tout sur la production dite traditionnelle. Il importe de ne pas perdre de vue cet aspect et d'accorder une attention particulière aux difficultés qu'éprouvent les entreprises agricoles existantes sur le territoire. Je ne veux pas juste ça. Ouais. Par ailleurs, les données recueillies dans le cadre portrait illustrent que la moyenne d'âge des propriétaires agricoles est élevée et que seulement 14% des 426 fermes en exploitation dans l'Alliance des Portneufs avaient en 2010 identifié une relève. Ces mêmes données révèlent que 10% de ces établissements pensaient vendre d'ici 5 ans. Ces constats nous amènent à entreprendre une réflexion sur les différentes actions à poser afin de maintenir le dynamisme de l'activité agricole pour l'avenir. Il apparaît notamment essentiel de mettre en place les facilités nécessaires en vue de donner le goût aux jeunes d'exercer ce métier, de mieux soutenir la relève et de favoriser le démarrage de nouvelles entreprises agricoles. À l'intérieur de son schéma d'aménagement et de développement, la MRC de Portneuf a clairement affirmé son intention d'assurer la pérennité de son territoire agricole et d'y garantir la priorité pour l'activité agricole. D'autre part, comme la zone agricole est un territoire déjà fortement occupé par de nombreux usages, et qu'elle se caractérise par la présence de diverses potentialités et contraintes du milieu, des conflits d'usage sont à prévoir. Il importe de favoriser le bon voisinage entre l'usage agricole et non agricole. Donc, la reconnaissance de l'agriculture qu'on voit et la fierté des producteurs, il y a une fois une réelle inquiétude des producteurs agricoles à l'égard de la motivation des jeunes à opter pour cette profession, pourrait rendre l'agriculture plus précaire et moins dynamique dans la région de Portneuf. Donc, en conséquence, la valorisation et la reconnaissance de la profession de producteur agricole constituent un enjeu central dans le développement de la zone agricole. Donc, dans les actions, les orientations, donc on dit favoriser le développement de la zone agricole et en assurer la pérennité. Développer un cadre réglementaire municipal favorable au maintien et à la consolidation des entreprises agricoles. Adapter les normes municipales applicables aux bâtiments d'élevage en fonction des nouvelles règles sur le bien-être animal. Je sais qu'il y a un exercice qui a commencé, mais c'est rendu. Favoriser l'établissement de la relève agricole. M. Langlois, mais tout de même, vous savez, le PDZM, c'est public, c'est adopté depuis des années au DNRC. Je comprends l'exercice que vous tentez de faire, mais. Je vais réitérer là, pour la troisième ou la quatrième fois la volonté des membres de la commission et de la population qui s'est déplacée ce soir, c'est d'avoir la présentation de votre projet. Je ne peux pas vous le dire en mandarin, là. Je pense que je suis assez clair. Adressez ta présentation et puis les gens vont avoir des questions. C'est dans un caucus, évidemment, qui est législatif, c'est prévu par la loi, vous le savez. Donc, on attend que vous le présentez, votre projet. Je vais être aussi clair que vous, puis je veux que vous saisissiez bien. Vous ayez le contexte en fonction de la loi, en fonction de vos propres orientations de la MRC, on est pas juste favorisé. Sauf qu'à la dernière consultation publique, c'est pas ce qui est ressorti du rapport de consultation, puis j'en fais encore les frais. Donc, M. Langlois, maintenant, je vois les deux dossiers. Ben, pour moi, c'est le même dossier, c'est les mêmes gens qui sont dans la loi, puis je veux placer très bien le contexte, puis je veux, quand vous allez réfléchir, de prendre l'ensemble. Mais quand même, je veux dire, M. Langlois, que vous tentez de vouloir nous convaincre, nous influencer, ou du moins nous faire un petit peu peur avec vos préoccupations, avec des références à des documents de travail qui sont publics. Je vous dirais que la commission d'aménagement a déposé un rapport à la municipalité de Saint-Léonard de Portneuf. Et c'est la municipalité de Saint-Léonard qui a pris des décisions. Alors, je vous invite, pour la cinquième fois, à adresser la présentation par respect aux gens qui se sont déplacés en grand nombre ce soir. On est le 16 juillet. On est déjà à la direction, évidemment, de différents ministères. Il y a des envois d'inertie, il y a des collègues que vous avez au niveau du conseil des MRC. Je pense que l'objectif de ce soir, M. Langlois, c'est qu'on voit c'est quoi votre projet. Je sais, l'expliquer aux gens. C'est la pertinence. Allez-y vite, parce qu'à un moment donné, on peut se tanner.
Merci. Alors, je vous invite candidatement à présenter votre projet, c'est encore. Moi, tantôt, là, je l'ai laissé faire. Moi, j'arrive à la conclusion. Puis quand vous dites que la municipalité de Saint-Léonard allait adopter intégralement votre recommandation. Non. Oui. Je ne sais pas. Ben, moi, je le sais. Donc, c'est pour ça que je veux placer. Monsieur Langlois, j'en arrive. Monsieur Langlois, vous êtes à Sainte-Christine d'Auvergne. Effectivement, sur le conseil, il n'y a pas d'agriculteurs. Il y a des personnes qui sont tout aussi intelligentes que vous. Par contre, ces personnes-là, pas comme vous, ils ne se croient pas le nombre du monde. Vous voyez la perception? Je vais présenter votre projet. Mais, regardez, j'ai bien fait de placer, là. Je connais la perception que vous avez de moi. Monsieur Langlois, c'est bon. On ne jugera pas des perceptions. Je vous invite à présenter votre projet. Non, j'ai jugé des paroles. Donc, notre projet, c'est un projet. Tout d'abord, justement, on fait référence à ce qui s'est passé à Saint-Léonard. Notre projet premier était de l'établir à Saint-Léonard, sur le terme qu'on avait acheté. Compte tenu de ce qui s'est passé, c'est sûr que nous, on a décidé d'investir le moins possible à Saint-Léonard. Donc, comme on avait une autre ferme à Saint-Christine, des bâtiments qui s'apprêtaient à ce projet-là, on a décidé de le réaliser à Saint-Christine. Donc, des bâtiments. Je pense que les gens sont assez intelligents, qui sont encore neufs pour savoir que quand on parle de Saint-Christine, c'est ici. Donc, c'est un projet qui s'inscrit dans le projet global de Port-Éden pour assurer la sécurité sanitaire de notre projet global. Il nous fallait un projet de quarantaine. Donc, une quarantaine, c'est pour introduire les nouveaux sujets dans notre entreprise. Donc, les sujets vont arriver là à environ 8 kilos au moment du sevrage. Ça nous prend 6 semaines à faire les prises de sang, de recevoir le résultat. Une fois que le résultat est confirmé négatif, on va pouvoir entrer ces animaux-là dans notre troupeau régulier. Donc, ce site-là est à une distance sécuritaire de notre site principal. Il y a déjà des bâtiments qui sont inutilisés. Donc, on va le modifier et on va le rendre conforme pour ce genre de projet-là. Donc, c'est 12 unités animales, c'est ce qu'on a demandé, c'est 199 parts. Nos besoins aujourd'hui, on va rentrer environ 75 porcelets à la fois, une fois tous les 2 mois. Donc, ça prend, à partir du moment où ils arrivent sur les dix, ils sont testés, après 6 semaines, on a le résultat. On les amène dans notre topo, on lave, on désinfecte, et on arrête. Donc, c'est par cycle de 2 mois comme ça. Les porcelets entrent à 8 kg, ils ressortent environ à 30 kg. Et puis c'est sur litière accumulée. Je vous ai dit tantôt dans le contexte légal. L'objectif des conditions, c'est de réduire les nuisances, les odeurs dans le voisinage. Nous, avec le projet de litière accumulée, puis nous, maintenant, c'est plus un projet, mais on a déjà 2 lots de 128 truies, donc on a 256 truies matures d'entrée. Et c'est vraiment une réduction à la source des odeurs. J'invite, c'est quand même confidentiel, mais si les gens du service veulent venir voir ce qui se passe chez nous, c'est vraiment un changement total au niveau de l'émanation des odeurs. Donc, c'est pour ça que j'ai placé le jugement en cours. Considérant la réduction à la source des odeurs, peu importe les brisements, les toitures, peu importe, on ne pourra pas réduire plus parce qu'il n'y en a à peu près pas des. On a une image du bâtiment projeté. Est-ce que vous voulez la voir en fait c'est la prochaine étape? Ce qu'on comprend en fait, c'est que le projet d'implantation est dans la section arrière du bâtiment. Peut-être revenir à l'autre. Oui. Donc ici, c'est l'ancienne vacherie. Ici, il y avait une remise à paille. De ce côté-là, c'est un appenti où c'était pour une étape froide pour les tarses. Donc nous, on conserve la remise à paille et on va fermer l'étape froide pour mettre nos porcelets. L'autre étape, j'ai l'impression, non. En haut à droite, on comprend. C'est ça. Donc on voit ici la remise à paille existante. Le lieu d'élevage fait ici, la quarantaine. Zone de chargement, déchargement et une petite zone pour la mode de fumier. Okay. Un autre diapo, c'est un peu plus de part.
Donc, ça aurait été intéressant, si jamais on le réalise, on verra, là, ça aurait été intéressant de la placer pour couvrir cette fosse-là, mais comme les normes sont à 30 mètres, bien, elle va rester là-bas. Excellent. D'autres précisions que vous souhaitez apporter sur votre présentation de votre projet? Non. Alors, je vais commencer la période de questions. J'ai dit des gens qui ont des questions à vouloir s'identifier. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas aucune arrière, pas d'animosité, absolument rien dans ce que je vais dire, c'est tout simplement des faits. Vous êtes monsieur Marc Darbeau, du rang Saint-Marc. 17 rang Saint-Marc. Un petit peu, impliqué dans tout ça. J'aurais, comme on dit, fait un petit peu mes devoirs. J'ai été voir justement certaines situations qui m'ont porté justement à avoir des questionnements. Puis peut-être que par rapport à ça, je vais pouvoir avoir des réponses de votre part. C'est pas quelque chose qui c'est pour un petit peu mettre les gens au courant de ce que moi je suis. Je ne veux pas dire que c'est nécessairement correct. C'est peut-être hors contexte. Mais moi, ça me pose des questionnements. On va y aller premièrement avec un petit. J'ai fait une petite recherche, j'ai fait des petits devoirs. Ça, c'est le guide des bonnes pratiques sur les critères de sélection d'un site d'élevage porcin. Parce qu'on sait que porcin et bovin, c'est pas pareil. Parce que c'est aucunement le même critère. J'ai fait une petite recherche, puis j'ai eu des écrits qui m'ont un petit peu allumé. Puis je vais vous en faire tout simplement une lecture. Fait que c'est pas une invention, c'est une lecture. Vous êtes sûrement tout au courant de tout ce que je vais dire. Sauf que pour l'assemblée, peut-être ça va éclairer. Ça va peut-être aider au questionnement. Le tableau 1 indique le rayon d'étude proposé par les différents puits d'alimentation en eau pour une consommation humaine. Description des puits. Alimentation en eau, les eaux d'aqueduc des municipalités, c'est 1000 mètres. C'est un kilomètre. Captation d'eau de sources minérales ou souterraines pour l'embouteillage. 1000 mètres, encore un kilomètre. Là, ça commence à nous toucher un petit peu plus. Alimentation en eau réservée d'aqueduc. Là, je me sens concerné. 500 mètres. Après ça, on s'en va. Privé pour la consommation humaine, 100 mètres. Je crois que je suis un petit peu limite côté. On parle de la distance. Après ça, on parle les immeubles protégés peuvent comprendre les lieux où il y a des activités sportives et des établissements d'hébergement. L'identification des immeubles protégés et des maisons s'effectuent sur le terrain avec des photographies aériennes récentes. OK. La ligne des lots correspond aux lignes. OK. Périmètre urbain, 1 km. Immeuble protégé, 1 km avec identification. Maison voisine, déterminée selon la distance séparatrice établie par les règlements. La ligne des lots correspond. Donc, le tableau 2 indique les études proposées par une dernière point. Quand je parle tout à l'heure de l'établissement, je pense qu'il y a quelqu'un qui est concerné. Je comprends qu'on entend diffuser le grenier tout le temps. Il est juste en face. Donc, déjà là, on a un petit peu le kilomètre est un petit peu quand même. Bon, après ça, on s'en va vers le relevé des cours d'eau et des différents plans d'eau a pour but d'obtenir la direction de l'écoulement de l'eau de surface. On parle de bassin versant. OK? Je pense qu'on se comprend bien. L'obtention de la direction permettra au chargé de projet de faire une évaluation des risques. Ça veut dire qu'il va prendre des précautions. Par exemple, en cas de bris, des équipements de transport et d'entreposage des déjections animales. Le chargé de projet peut proposer des mesures d'urgence et de protection. Ça, c'est vous avez fait tout ça, vos devoirs. La distance séparatrice à respecter entre les bâtiments d'élevage et les structures d'entreposage sont gérées par la NDDEP. Bon, le
tableau 3 qui représente un peu. Bon, les rivières, lac, fleuve, Pain, Charente. On a une rivière pas loin. Cours d'eau verbalisé, 1 km. Puis je crois que dans la ligne, justement, qu'on voyait tout à l'heure, justement, qui a été exposée, la première diapositive, c'est que sous la ligne bleue, on a un ruisseau. Mon voisin n'a pas pu remplacer le ponceau parce que ça obstruait le débit du cours d'eau, qui se trouve être un cours d'eau avec un débit régulier. Fait qu'on se trouve avec un ruisseau qui s'en va vers la rivière. Après ça, fossé à surface, 100 mètres, on a défaussé. Fait que déjà là, rigole qu'on est ça. Bon. Là, on se retrouve vraiment à dire avec les grandes lignes de qu'est-ce qui me pose questionnement. Là-dessus, j'ai trois petites questions. On a un secteur, c'est dans la rue, dans le rang Saint-Marc, qui est zoné humide. Le questionnement, est-ce que ça a été pris en compte? En questionnement, est-ce que ça a été vraiment. Parce qu'on sait que la nappe phréatique n'est pas très, très profonde, on parle environ dans 4 et 5 lignes. J'ai été obligé de lever ma maison de vie. Après ça, par grande pluie, là on parle justement des canals, des petits cours d'eau, etc. On peut faire allusion à un bassin versant parce qu'on se retrouve avec une pente naturelle vers la rivière. Moi, dans ma tête, c'est de là qu'est-ce qui arrive, c'est de, est-ce qu'il pourrait y avoir une contamination, justement, par les eaux de surface, les puits de surface, qu'on sait qu'on a beaucoup ici à Sainte-Christine. À cet endroit-là, je pourrais peut-être vous signaler que malheureusement pour un, malheureusement pour l'autre, je ne veux pas me faire la reconciliation, mais tous les chalets de Boiron sont dans le bassin versant, les lacs. Avec l'ensemencement de fluide, etc. C'est des choses à considérer. Après ça, on parle de la dévaluation des propriétés. Je vais vous dire une chose, moi j'ai investi, OK, ma maison vaut présentement plus près de 400 000. J'estime qu'avec un projet de ce genre-là, je vais sûrement perdre un 100 000. Est-ce que ça va être pris en considération lors de votre évaluation? Est-ce que justement, ça va être quelque chose qui va être pris en considération par rapport à la décision que vous allez émettre. Tout simplement, tout bonnement, c'est mon questionnement. Merci beaucoup de m'avoir entendu. D'autres interventions? C'est bon? Oui. Bon, en fait, ça ferme le message. Moi, c'est juste quoi? Un qui a été traité par M. Darbo, donc au niveau de l'écoulement d'eau souterraine. Et le deuxième, si j'ai bien compris, c'est plutôt le côté santé. Je vais ici en intervenant. Vous recevez des porcelets, vous les faites grossir et puis sortent. Et vous avez parlé de certains tests. On peut craindre quelle maladie à ce niveau-là? Je ne connais pas le dossier, je ne suis pas une experte, mais j'aimerais bien savoir, de l'autre côté de la rue, vers quels possibles dangers au niveau de la santé on peut se retrouver. C'est tout. Les maladies qui sont testées, c'est des maladies spécifiques au porc. À ma connaissance, il y a beaucoup de maladies qui sont transmissibles du porc à l'homme, peut-être, à voir la. C'est la pneumonie, là. Mais c'est, nous, ce qu'on va tester comme maladie, c'est vraiment les maladies spécifiques au porc qui mettraient en péril notre troupeau principal. Donc, c'est pas par rapport à des maladies humaines. Donc, vous testerez par rapport à votre production. Mais si jamais, mettons, il y a la grippe, on vient de dire ici, une grippe qui pourrait être transmise à l'humain, est-ce que vous avez des mesures de détection à ce niveau-là? Si une grippe qui est transmissible à l'humain, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ça n'arrive pas vers l'Europe. Ça va arriver au Canada, ailleurs que dans notre élevage, probablement, parce que nous, on n'a pas de. La réponse, c'est oui ou non? La réponse, c'est non. Il n'y a pas de risque. Bon. Nous, on vit à 365 jours par année avec des animaux. On n'est pas plus malade que le stade. Ce que je vous dis, les maladies qu'on va tester, c'est des maladies spécifiques pour notre troupeau.
qui n'ont rien à voir avec les maladies humaines. Puis peut-être mon garçon pourrait nommer plus spécifiquement les maladies qu'on veut. Bon, je ne vais pas changer la liste, j'ai compris. Moi, je voulais juste savoir, je comprends que vous soignez votre affaire, mais moi, de l'autre côté, si jamais il y a une possibilité de contamination de l'humain, ça serait laquelle, quel est le risque et comment vous prendriez par la suite. Peut-être n'arrivera pas. Je vais mourir, ça n'arrivera pas. Mais peut-être ça arrivera. Donc, juste à ce niveau-là, parce que de l'autre côté du rang,